Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre épisode sur la ferme de tous les dangers. Donc je sais plus quel épisode c'est, comme je vous ai dit maintenant je crois que c'est le 19ème mais je ne le marque plus. Enfin je ne le dis plus mais je le marque plutôt parce que je m'embrouille à force. Donc je suis en compagnie de Célian, salut à toi. Salut tout le monde. Donc Bruno n'est pas là et puis vu qu'il y a un sale temps sur le serveur, vous pouvez voir qu'il fait super beau, il flotte, enfin bref c'est génial. Alors aujourd'hui on s'est dit qu'on va faire un épisode où on va s'occuper des animaux et puis dans le pire des cas quand on aura fini on ira faucher de l'herbe et ramasser parce que ça apparemment même quand il pleut on peut faire. Voilà. Ouais. Donc, laisse la vache tranquille. Je la regarde. Alors maintenant Célian va me guider parce que déjà la dernière fois en fait si vous voulez pour donner de l'eau aux cochons ça doit être un défaut de la haie des Newtons 1.0, on a galéré comme une vache anglaise. Ah moi je me demande si c'est pas juste la remorque en fait. Non, non, c'est pas la remorque parce que la remorque marche avec tout. Je l'ai vraiment super bien testé. Et c'est vrai que c'est qu'est-ce que. Là, tu y es. Là, tu y es normalement. Alors, attends. Tac. R. Non, je vois pas l'affichage. Là, tu me fonces dedans. Là, t'es dans le mur quasiment. Et stop ! Ça fait rien. La dernière fois, je suis rentré dans le mur et c'est passé. Ouais. Alors, attends. Non, la dernière fois, j'étais un peu plus de travers, il me semble, non ? Ouais. Attends. Et tu me vois là ? Je vois ton nom, c'est tout. On voit ton nom, on te voit sauter, c'est tout. Ouais, je suis dans. Tu peux rentrer dedans la citerne. Ah ouais, en fait, c'est là-dedans, mais précisément. Je me demande si c'est pas ce piquet rouge là. Quel piquet rouge ? Là, je suis juste sur un piquet rouge et je me demande si c'est pas à cet endroit là, tu vois. Bah attends, on va tester. Hein. Parce qu'il y a que celui-là, alors. On va tester, on va déjà voir, hein, on va même finir par trouver. Donc vous pouvez voir qu'on a j'ai rajouté deux gros fans sur le serveur et puis quelques conneries. Alors attends, je vais essayer de bien me caser. Ah. Là je vois le niveau de remplissage du lisier, je vois là. C'est toujours pas ça qui m'intéresse. Là tu devrais y être. Mais tu as... Oula. Attends, j'ai eu un message, j'ai pas eu le temps de lire. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit là? La capacité maximale de loge. Quoi? Nourrir les animaux pendant 6 jours. C'est pas possible ça. C'est là normalement tu y es. Hein. Je vais essayer de l'autre côté parce que je me demande en fait s'il n'y a pas un conflit entre le lisier et l'eau quand tu te mets comme ça, tu vois. Parce qu'il me semble que la dernière fois avec le 7310 on avait réussi en étant dans ce sens là. Non, on était dans le sens où t'étais tout à l'heure. T'es sûr? Non, je suis plus sûr en fait. Non, je sais plus du tout. On était dans un sens comme ça, je crois. Ah putain, si j'ai des coups de lag maintenant, c'est pas le moment. Hein. Attends, sinon, laisse-moi monter dedans. Attends, c'est bon là. Attends, on va voir. Hop, hop, hop. Là, il me marque la capacité maximale de loge, etc. etc. est suffisante pour nourrir les animaux. Pourtant, regarde, il y a marqué ça, donc c'est qu'on doit effectivement y être. Et c'est ça que je comprends pas leur bordel. Parce que là en eau pour la porcherie j'ai 24 800. Alors que j'ai acheté 30 animaux de plus. Et la dernière fois j'étais monté à plus de 40 000 de flotte, tu vois. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Il doit y avoir un souci de. Et je me demande. Non, ça m'étonnerait, je me demande. Putain, il est quand même monstrueux ce tracteur, n'empêche, quand tu le vois dehors comme ça. Ouais. Parce que la citerne à eau elle marche, hein, ça c'est sûr. J'ai déjà essayé dans tout. Oui, je sais. Ah ouais, c'est vrai, on passe à travers. Ouais, ouais c'est ça. Et à mon avis, ça doit être un bug de collision. Parce que je pense que ça aurait été plus pratique et plus logique de remplir cette citerne là en fait. Quoi. Essaye voir, sait-on jamais. Bah, il m'affiche la même chose que toi donc.
Niveau de remplissage. Ouais, capacité machin. Maintenant, est-ce que ça, ça change? Non, merde, c'est pas ça. Excusez-moi, j'ai des coups de lag. Attends, tu sais quoi? Descends une fois, je vais aller donner au veau déjà pour voir. Et non, ça c'est pour ouvrir, mais ça ne change rien. Ouais, je sais, je mais des pas. Fois. Oh putain, ces coups de lag, ça me saoule. Ouais, mais pareil, je lag là. Je lag légèrement. Non, mais moi c'est normal, c'est parce que y en a sur internet, mais sinon. Toi que tu lag, c'est que de ton coin alors. Ouais, mais je me demande si j'ai pas un autre truc. On va aller nourrir les veaux. Enfin, donner à boire. Attends, vas-y, j'y vais. Mais c'est déjà pas par là qu'il faut aller. Bah écoute, on fait comme on a dit à la rigueur. Tu t'occupes de blinder la mélangeuse. Ouais. Je sais. Ah, faut que j'aille chercher le Fend alors là-bas au bout. Le Fend, il est où? Il est à la BGA. Il est à la BGA. Ouais. Bref, ouais, faut que tu cherches le Fend. Ouais. Donc comme vous pouvez voir, je vais passer par là et vous pouvez voir que j'ai curé le fumier. J'avais à peu près 65 tonnes ce matin. Donc j'ai rajouté un épandeur à fumier d'ailleurs, Célian, qui est, ouais, qui est pas mal. Donc comme ça, on aura deux épandeurs de chaque type, quoi, histoire qu'il y ait un peu plus de choses. Donc c'est vrai que cette carrière commence vraiment à être, intéressant parce que moi j'ai pour objectif de faire la race d'animaux, quoi. Quand je dis la race d'animaux, c'est genre si je pouvais en avoir 500-600, je le fais sans problème. Là, c'est plus un peu l'aspect financier qui coince. Et parce que j'ai vendu l'autre fois avec Bruno. Là, je peux remplir l'eau, tu vois. Avec Bruno, j'ai vendu des cochons l'autre fois. J'ai vendu 60 cochons. Ça m'a rapporté pas tout à fait 15 000 euros quand même. C'est déjà pas mal, hein, putain. Ouais, bof. Non, qu'est-ce que je raconte, pas 15 000. Attends, ça me rapportait 400 euros le cochon, je crois. Putain, si dans la vraie vie c'était pareil, putain, je fais des cochons tout de suite. Hein. Ah, ça y est, il pleut plus. Génial, on va pouvoir faire les foins tout à l'heure. Ouais, donc faut que j'aille où moi avec le Fen? Faut que tu reviennes à la ferme. Mais j'y suis. Bah, il faut que tu charges dans la remorque la crampe BBS. Ah 900, oui, oui, oui. Là, tu sais. Faut que t'ailles foutre de la paille, du foin. Non, pas dans la benne, dans le. Dans la mélangeuse. Ouais, mais il faut que tu passes par la benne. Parce que tu peux pas décharger au godet directement dedans. Avec ce godet, ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. Moi, la seule fois... ça marche. Ça marche? Oui, je l'ai essayé tout à l'heure. Ah ouais? Bah oui. Parce que moi, quand j'avais foutu de la paille, ça n'avait pas mis dedans. Bah, essaye. Puis j'étais peut-être mal placé, je sais pas. J'ai essayé avec ce godet-là et j'ai essayé avec... un chargeur normal. Ah ouais, ouais. Donc là, pour les veaux, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, je viens de leur foutre presque 10 000 litres d'eau. Pour 100 veaux, putain, j'ai pas... Bon, on va regarder ça dans le PDA, mais... Je sais pas ce qu'ils boivent, ces putains de veaux, mais... Là, ils ont combien de... Ouais, 10 000. Ah, ça y est. Ils sont blindés. Maintenant, je vais aller chez les vaches. Parce que je sais que les cochons, tu te souviens la première fois qu'on les a remplis? Putain, eux, il leur en faut, hein. Ça l'a rempli, là? Attends. Ouais, ça l'a rempli. Oh. Alors, maintenant, moi, il faut que je me fasse chier. Attention, excuse-moi. Vas-y, c'est bon. À rentrer là-dedans. Voilà, parfait. Et il me semble, je sais plus le sens, que c'était où j'avais pu foutre l'eau, je crois que c'était de l'autre côté. Alors, attends voir, c'était ce sens-là. Non, c'était de l'autre côté, je crois. Ouais. Ça, c'est un petit peu le souci sur la haie des Nutons 1.0. Il y avait des petits soucis de pour vendre, ce genre de conneries, charger, c'était un peu...
était corrigé sur... Ah ben voilà. Ça a été corrigé sur la 1.1, mais vu que Bruno, il ne peut absolument pas jouer dessus, ben j'ai dû rester sur la 1.0, tout simplement, en fait. Parce que sinon, depuis longtemps que j'aurais été sur la 1.1, où on peut passer à travers toutes les barrières, il n'y a plus du tout de problème de collision, enfin bref, c'est génial. Tu l'avais testé, toi ? Non, moi j'avais celle, tu sais, celle avec les silos transparents, là. Mm-hmm. Celle où tu pouvais apparemment mettre de la chaume et que c'était super buggé et donc allez, ouais. C'est tombé. Voilà, ouais. Mais non, sinon avec le Mac je pouvais pas et sinon je l'ai pas re-téléchargé par après. Franchement, si une fois t'as l'occasion, tu la re-télécharges, hein. Tu l'installes sur la serre, tu vas halluciner quoi, tu passes absolument partout quoi, c'est trop génial. Ouais, franchement, c'est cool de passer à travers tous les murs. Comparé à sur la carte où je suis. Hein. Bon, après, cela dit, en fait, ça fait peut-être moins réaliste, mais alors il faudrait que ça soit soit tu passes à travers rien, soit tu passes à travers tout, en fait. Que sur cette carte-là, c'est tu passes à travers certains trucs et pas à travers d'autres trucs. Donc toi, tu dis, oh, c'est bon, ça passe, et au final, eh ben, ça passe pas, quoi. Tu te fais avoir 50 000 fois. C'est ça le souci, on va dire, sur cette carte, c'est ça, quoi. Ouais. Ah, je te vois passer au loin. Non, c'est pas moi. si, j'ai vu un Fend avec un énorme godet. En fait, j'ai juste. Non, mais c'est godet. Pas moi. C'est pas moi. si, c'est toi. Mais non, je te promets, c'est pas moi. C'est un tracteur, mais c'est pas le mien. Pourquoi tu charges du blé ? Ah, c'est pas du blé, hein, c'est de la paille. Ah ouais, il nomme ça blé, l'inspecteur, t'as vu ? Ah ouais. Pour ça, j'étais en train de me dire. J'avais même pas fait gaffe. Je suis en train de me dire, mais pourquoi il veut charger du blé pour la mélangeuse? Parce faut bien mettre du blé pour les poulets aussi. Hein. C'est pas du. Non, c'est du maïs pour les poulets. C'est du maïs? Je croyais que c'était du blé. Non, c'est du maïs. Non, c'est en fait. Je vais te faire un récap parce que maintenant je l'ai enregistré. Et puis pour vous, les abonnés, ça peut vous servir aussi. Pour les cochons, on va commencer par les cochons parce que je vois la porcherie. Il faut. Du mélange total, hein, donc c'est ce que Célian est en train de remplir dans la mélangeuse. Il faut du maïs en silage. Il faut de la betterave dans le petit silo que vous voyez à côté du silo vert. Il faut du blé. Bon, de l'eau, bien sûr. Et je crois que c'est tout. Ah, attends, moi je termine juste là. Sinon... Ouais, moi c'est bon. C'est bon, c'est plein. T'es où ? Moi je suis en train de donner de l'eau là. Ah. Ouais. T'as dit lequel? Parce que moi non plus pour les cochons, en fait, je sais pas, j'ai pas encore. Voilà, là où t'es, t'as le silo vert là, à ta gauche, là-dedans tu mets le blé. Alors là, on met le blé. Voilà, avec la remorque, d'accord. La Chrome BBS, là, tu décharges direct dedans. Ah, enfin, pas forcément avec celle-là, mais. Ouais, mais bref, c'est. Là, il y a du blé. Voilà. Là, il y a du blé, d'accord. Là, c'est les des betteraves. Patates. Betteraves. C'est sûr, parce que c'est des dessins de patates. Hein. Non, c'est des betteraves que tu mets là-dedans. Parce que ces putains de veaux, il leur faut des patates. Tu vois? Donc les cochons, c'est betteraves, d'accord. Ensuite, à l'intérieur, bon bah c'est mélange total, ensilage de maïs. Mm-hmm. Là où t'es, c'est l'eau à peu près. Ouais, c'est de l'eau, ouais. Chez les veaux, le silo que tu vois, c'est l'eau. Alors attends, le silo bleu, ouais, c'est de l'eau. J'aurais pas pu mettre un silo bleu pour les cochons, sans déconner. Le silo à l'intérieur que tu vois, c'est un silo vert aussi. Ouais. Là-dedans, c'est du blé. Et le silo que tu vois à côté, qui est super facile d'accès, entre guillemets, là-dedans, c'est les patates. Et après, le long, du maïs sans silage, du mélange total. Faut dire que les veaux sont bien faits quand même, bien animés. Hein. Ouais, franchement, c'est quand même bien. Bon, mis à part les deux qui sont statiques, ah non, aucun n'est statique en fait. Ouais, c'est cool. Oh, putain, mais ça s'arrête plus là. C'est bien fait. C'est un trou sans fin là, j'arrête pas de filer de l'eau là. Je suis à 34 tonnes d'eau, je l'aurais donné. Là. Ouais. Les vaches, après, c'est pareil. En fait, les vaches, il y a un bug que tu n'as pas sur la 1.1. C'est que... Ah, ça y est, j'ai fini. C'est que théoriquement, là, l'espèce de silo où elle bouffe, où t'as vu, normalement, tu mets de l'herbe dedans, d'accord ? Ah oui, tu mets de l'herbe, mais là-dedans, tu mets l'ensilage aussi. Ouais, tu mets tout. C'est moi qui avais trouvé, oui. Voilà. Alors que dans la 1.1, eh ben, comme ça me paraît logique, tu donnes le maïs en silage, le maïs mélange total à l'intérieur du bâtiment comme chez les cochons. Mmh. Donc ça c'est un bug de la map en fait, voilà, hein, ça c'est comme ça. Donc maintenant moi j'ai fini de filer de donner de l'eau.
Oh là là. Ouais, bah moi j'ai rempli le. Attends, parce que là, il y a un truc qui va pas là. Recule. Que je sorte de cet endroit là. Et après, ça ira mieux. Voilà, c'est bon, je suis dehors. Ah ouais. Il faut que j'aille là. Si déjà j'y suis. Je sais plus quel bac c'est ici. Ah bah, R, on va remplir. Oh bah les. Et les poules, il en faut vachement beaucoup. Ah putain, je leur ai mis 30 litres d'eau, c'est fini. Alors maintenant, je vais aller décrocher ma citerne. Comme ça, je serai tranquille. Ensuite, toi, t'as quoi encore à mettre là? Ah, moi c'est bon, j'ai fini. T'as fini? Bah écoute, si tu veux, Là, je viens de curer un coup chez les vaches. Ouais, tu peux. Bon, je l'ai fait juste avant, mais tu peux le Ouais, faire. non, mais je l'ai fait, je l'ai refait. Il y avait quand même déjà 3000, plus de 3800. Voilà. Une fois que t'as fait ça, à la rigueur, tu peux prendre la crone, là, tu sais, pour faucher. Tu peux aller commencer à faucher, tu sais, le long du champ 30, là. C'est juste à côté, là. Attends, faut que je regarde le champ 30. C'est le tout grand champ, tu vois. Ouais. Ah oui, là, le Voilà. P4, P5, P6, P7. Voilà, là-bas, tu pourras commencer à faucher parce que On là. passe à travers, je crois. Ouais, tu passes à travers. Ouais. Et maintenant, moi, du coup, j'ai eu un coup de lag et je me suis foutu dans un poteau. C'est génial. Alors. Maintenant, je vais décrocher. Je me demande si j'ai pas un truc d'allumé aussi, là. Que j'aurais peut-être pas fait gaffe, là, tu sais, qui me bouffe de la connexion. Voilà. Mais j'ai remarqué, en fait, que quand l'ordinateur de ma copine est allumé, donc son ordi a Windows 8, hein, et il est connecté en Wi-Fi, et moi, j'ai remarqué, alors bon, je raconte peut-être des conneries, mais moi, j'ai remarqué que quand il est allumé, putain, je vais laguer, mais beaucoup plus que s'il est éteint, quoi. Alors que des fois, il est juste sur le bureau et il fait rien, quoi. Tu vois? Bah, ça demande quand même, il y a toujours. Parce que la tuile. Tu sais, sur Windows 8, il y a les tuiles, là, ils ont foutu le système de tuiles. De tuiles et voisins. Sur les Windows Phone. Ouais. Ou sur. La Xbox One. Ouais. Ça s'appelle un navigateur en tuiles. Ouais. Et de là, en fait, t'as. Tu peux faire afficher pas mal de trucs, donc ton Facebook, Ah ouais, d'accord, la ouais. météo et les trucs. Donc c'est en constante connexion. D'accord. Là, y a un machin qui est en l'air, normal. Ok. Aouh. Qu'est-ce que je veux dire? Tu fauches en andin ou pas? Blam, ouais. Ok. J'ai pas besoin de mettre Non, de toute façon, la classe. mon ordinateur. On Voilà. passe à travers, hein, je crois. Hein. T'es où? Ouais, là tu peux aller tout droit jusqu'au fond. Tu passes à travers. Là, elle aussi ou pas? Ouais, là tu peux me faire confiance. Tu passes Bon, de toute façon, partout. Sauf les arbres. je le sentirai déjà. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, parce qu'en fait, nous, l'avantage en fait de cette classe, c'est qu'elle déjà ramasse large. Et ensuite. Ah merde, je suis allé trop loin maintenant. Il est Elle est trop. un peu buggée. C'est Elle est pas un qu'elle est peu. buggée, mais c'est que quand tu lui augmentes la capacité, la capacité de stockage, en fait, ça augmente la production en gros. Donc en fait, là maintenant, tu prends une autochargeuse normale pour la remplir de ses 50 000 litres. Faut que tu fasses deux fois le tour du bordel. Alors que celle-là, en fait, tu vas faire un aller-retour, elle est pleine. Bah, regardez par vous-même, les amis, à la vitesse qu'elle se remplit. Et il y en a qui disent que c'est un bug, mais en fait, c'est un avantage indirectement parce que ça t'évite d'aller faucher 150 000 prairies. Tu fauches que celle-là, c'est bon, t'as 1 million, voire 2 millions dans ton stock et t'es tranquille, quoi. Sachant qu'il y en a encore pas mal de trucs à faire. T'es déjà en train de ramasser là? Ouais, j'ai commencé, ouais. Ok. Sachant qu'on a du colza. Il reste du colza moissonné encore. Il y a un peu de betterave, je crois. Non, je sais plus. Mais je sais qu'il y a du colza à faire. Et j'ai rajouté, tu sais, sur le serveur, la herse rotative et le tas savant. Donc, moi, après, je vais commencer à déchaumer. Parce que l'avantage, en fait, de ce truc-là, c'est que.
La herse rotative, elle le prépare. Le tasse avant prépare aussi, mais le tasse avant, il met de l'engrais tout de suite. Il fertilise en gros, quoi. Ouais. Donc c'est pas trop réaliste, on est d'accord, mais admettons, je sais pas, moi je fais ça et Célian il sème derrière, ou Bruno, ou peu importe, ben ça t'évite d'aller pendre de l'engrais tout de suite, quoi. Ça revient au même. Donc c'est ça gagne du temps, quoi. Bon, c'est sûr, c'est pas un truc de 22 mètres, mais c'est pas mal, quoi. Après, je sais qu'il y a une herse rotative, la même, je crois, en 20 mètres aussi, mais bon, elle est tellement mal faite que je l'ai testée. Là, vous voyez, je suis déjà plein. Elle est tellement mal faite que ben, je la prends pas, en fait. Donc nous, on va ressortir par là. Et le tracteur, il se salit aussi. Et d'ailleurs, il est déjà crade, mon fen. Là, en fait, la crasse est bizarre parce que quand tu regardes comme ça, tu vois que c'était un mode de LS 2011. C'est... Je sais pas comment expliquer ça. On dirait même pas qu'il est sale. On dirait qu'il est rouillé, le tracteur noir. Ah, putain, c'est quoi ce bordel? Quoi? Et j'ai la porte du... Enfin, le portique du parc qui s'ouvre juste devant ma gueule et qui me bloque le tracteur. Ah ouais. Ça, j'ai pu penser parce que comme j'ai joué sur la 1.1, ça ne fait plus, tu vois. Ah, putain. C'est bon, t'es réparé. Ouais, mais elle prévient pas en plus, la pute. Oh putain, moi je passe à travers. Non, mais c'est juste tu passes à travers la barrière, mais le piqué de la barrière, tu passes pas. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai de nouveau eu un coup de lag et en fait, ça m'a envoyé... Là, ça m'a envoyé dans la haie de la mort, là. Ah putain, celle-là, elle est horrible. Ah ouais. Attention! Là, voilà, ça passe pas. Ouais, attends, bouge pas parce qu'il faut que je prenne un. Ah là, moi je dégage. Attends, je veux juste voir la rouille qu'il y a dessus là. Sur ton fen. Vas-y. Ah oui, d'accord. C'est pas comme le 7290 où t'as vraiment l'impression que c'est de la terre, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, après, hein, c'est comme ça, ça fait rien. Je veux dire, moi ça va pas. Bah, je sais pas, franchement, sur LS 2011, j'ai jamais utilisé de mode. Ah ouais? Ouais, je l'ai pas eu assez longtemps pour pouvoir essayer des modes et tout, mais enfin pour connaître le mode, je l'ai eu vraiment à la fin, donc. D'accord, ouais. Parce que sur le LS 2011, moi il y a un mode mythique qu'il y a eu, c'était le New Holland, un pack de New Holland, un TM175 et un TM190. Et pour moi, c'était le meilleur tracteur qui existe et les meilleurs. Pour moi, du farming 2011 et du 2013, ça c'est clair et net. C'était un New Holland, donc déjà, quand tu l'achetais, il n'avait pas de roues, tu pouvais choisir les roues, donc pneu normal, basse pression, jumelage, roue étroite. Bien. Et le truc qu'il y avait d'extraordinaire sur ce tracteur, c'est qu'il avait une boîte de vitesse incorporée. Tu changeais tes rapports avec le clic gauche et clic droit de la souris. Donc tu passais tes vitesses et c'était pas un mode réaliste, rien du tout. Et dans les montées, il peinait, dans les descentes, il allait plus vite. T'avais l'inverseur, marche avant, marche arrière. Enfin, c'était vraiment pour moi le meilleur mode qu'ils ont fait, quoi. Et j'ai essayé de le convertir sur le 2013. Parce que convertir un mode du 2011 au 2013, les amis, c'est franchement très très simple. Le problème qu'il y a, c'est que tout simplement, quand je l'ai converti et je l'achetais, en fait, il était transparent, le tracteur. Tu voyais juste les barres en métal, mais c'était tout. Donc moi, ce que je vais faire là, les amis, je décroche mon autochargeuse, je te laisse faucher, on ramassera deux tout à l'heure. Je vais juste vous montrer, comme j'ai des champs ici à faire, mon herse rotative et puis mon tasse avant, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors après, je pense que je préparerai avec le 7310, je m'occuperai de faire ça avec le 7300, non, le 7290, vu qu'il a les roues jumelées, tu sais. Et puis que nous, dans l'agricole, quand on prépare les sols, hein, ça a toujours été avec... avec un jumelage. Voilà, avec un jumelage. Donc là, vous pouvez les voir. Et l'avantage du 7310, là, le fen, je sais pas s'il va le faire, c'est que dès que tu descends un outil, le moteur accélère, quoi. Alors ça, ah, oui. ça fait vraiment super stylé, quoi. Alors, reculons. Donc on a quand même herse rotative de 6 mètres. Donc c'est déjà pas de la herse, c'est déjà de la... Faut déjà de la puissance pour une herse rotative de 6 mètres quand tu vas dans du labour frais. Que déjà avec une herse rotative de 3 mètres, j'avais des fois du mal, alors je vais te dire. Ah, alors attends. J'ai. Hop, hop. Voilà, il est accroché. Donc les deux sont repliables comme vous pouvez voir. Donc maintenant je vais déplier le tasse avant. Je vais déplier
ma herse rotative. Et vu qu'on a le S-limiteur, en fait, là, ce qui est fait réaliste quand tu fais avec ça, c'est que tu vas à 6-7 km/h, tu vois. Et la herse rotative, tu laisseras après ces liens, elle est vraiment bien animée. Rien, le bruit quand tu l'allumes déjà. Tu vois bien en dessous, c'est animé et tout, tu vois. Alors maintenant, je vais descendre le tasse avant. Je vais mettre le régulateur. Descendre. Ah, là, il faut que j'aille moins vite. Descendre le S-limiteur. Oula, là, je l'ai un petit peu trop descendu. Là, je suis à 4 km/h. On va quand même monter. Ouais, 10 à l'heure. Bah, vous pouvez voir comme c'est super bien fait. Et là, la terre est fertilisée. Pour vous le prouver, regardez, maintenant, je lève le tasse avant. Donc, la herse rotative, merde, elle prépare, mais c'est pas fertilisé. Vous voyez, donc là, c'est vraiment un super truc. Et j'ai l'impression que le tracteur, il accélère. Après, à cause de cette putain de conférence de Skype, je n'entends pas grand-chose, mais j'ai l'impression que le moteur accélère. Donc, c'est sympa. Et c'est sur cette carte, je trouve que ça va bien, parce que bon, il y a des champs très grands, et puis il y a des champs... moyennement grand, donc c'est stylé quoi. Ah, c'est Bruno qui va être content, il va dire ah, enfin des modes pas très grands, n'est-ce pas Bruno? Patrick, c'est Lyon. Putain, j'en ai chié là. Oh putain, ouais. J'ai fait tous les noms là. Ouais, ah, les reculs un peu lent à la détente aussi. Le Fend, mais une fois qu'il est parti, il est parti. Hein. Heureusement qu'on peut lui mettre les 4 roues motrices à ce truc là parce que. Alors, on descend ça, on met la première vitesse, et on est parti. Et voilà, vous préparez sur 6 mètres à chaque fois. Donc ça, j'ai testé, hein, donc si vous voulez le télécharger, il faut le télécharger dans le... c'est le Mega Pack Verneyland qui fait 110 MO, je crois. Il faut le télécharger là, sinon, ben, vous pouvez, je pense, le trouver à part. Perso, j'ai jamais trop cherché à part, en fait. J'ai vu le pack, j'ai téléchargé, je me suis même pas emmerdé, en fait. Moi je l'ai vu sur LS Quez. Ouais, c'est ça, ouais. Le site de mode français là. Et vous pouvez voir que le rouleau est bien animé et tout, hein. Il tourne bien et tout. La herse rotative elle est super bien animée. La poussière et tout. Ouais, franchement c'est sympa quoi comme mode. Merde, décale-toi un peu. En fait, l'avantage. Ok. Quoi? Bon, alors en fait, il y a plusieurs types d'arbres. Il y a ceux où tu peux passer à travers et il y a ceux où t'as pas intérêt à rentrer dedans. Voilà, ouais. En fait, l'avantage d'avoir le combiné, c'est-à-dire le tasse avant et l'herse rotative, comme je vous ai déjà dit, c'est que par exemple, ben, c'est que vous fertilisez en même temps. Mais l'autre avantage que vous avez, en fait, c'est que si maintenant vous loupez un bout devant, vu que les deux c'est la même largeur, et ben la herse rotative derrière le rattrapera forcément, en fait. Ça, c'est plus ou moins pratique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc bon, en vue intérieure, c'est pas trop trop faisable parce que tout simplement, il y a la poussière du tasse avant. C'est vachement bien fait. Là, je peux vous dire que mon tracteur, il ressemble à tout sauf à un tracteur. Quoi. Le machin, il est vert, il est rouillé, le bordel. Enfin, le pauvre tracteur, il a le droit à tout, quoi. Putain, il est lent à la détente, ce Fen, non? Ah merde, j'ai oublié de lever ma herse rotative. Ah oui, la herse rotative sur la route, ça elle doit aimer ça. Oh oui. Oh putain. Tu lèves ta herse rotative quand t'es passé sur la route, y'a plus de dents, y'a plus rien, y'a juste les arbres de transmission qui restent et encore. C'est mieux que rien, hein. Cela dit, c'est mieux que rien, mais bon, une herse rotative toute neuve, ça me ferait chier de faire ça, franchement. Claire. Imagine les dégâts que tu ferais. Tu t'en fous, tu dis c'est pas toi. Ouais, voilà, ouais. Alors, ce qu'il y a de bien fait aussi, vous venez de le voir, c'est que quand vous tournez avec le tasse avant qui est en bas, je l'ai exprès fait pour vous le montrer, bah, vous avez vu que le tracteur, il a galéré à tourner. Bah, c'est comme en vrai. Alors que t'as certains tasses avant que j'ai trouvé, c'est genre, le truc, il est posé par terre, c'est comme si t'avais rien, en gros, quoi. Et ça, c'est quand même sympa. Bon, ça, je me suis dit... Ça nous fera d'autres méthodes de préparation de sol. Ah, c'est sympa. Après. Bruno qui va aimer. Ouais, Bruno va aimer. Moi, ça me dérangera pas. Je sais que Célian, lui, il va prendre de 7310, le 22 mètres, et il va aller préparer, lui. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Moi, je fais tout à petite échelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on recule. Donc là, cette fois-ci, j'ai tout levé hein, pour pas faire de conneries. Voilà. Descends le tasse avant.
On descend l'arrière rotative. Et on est reparti. Donc alors là, il y en a certains qui me diront, ouais, mais là, vu le boulot que ton tas avant il fait, en fait, ta herse rotative, elle sert presque à rien, dans le sens où tu pourrais directement semer. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, après, voilà, c'est pour faire un peu plus... Ça a du style. Voilà, ouais, et puis je trouve que c'est un bon combiné, ça va bien ensemble. Ça a la classe. Si tu veux, c'est lié, on switch un coup. Alors, attends. Sur le fen, là, tu switch un coup et puis t'essayes. Attends, parce que c'est pas qu'un seul coup qu'il faut que je switch. Ouais, c'est vrai. Voilà, t'es dedans, là. Tu vois, le tas avant se salit, hein. Attends, parce que je suis pas encore installé. Voilà. Tu vois, là, tu l'as levé, là, le tas avant, et là, il salit, tu vois. Ouais. L'arrière rotative derrière, bon, bah, elle est activée, là, donc tu peux y aller. Mais toi, en vue extérieure, il regarde un peu le particule que fait la... Première vitesse ou quatrième? Première. Regarde les particules qu'elle fait, l'arrière rotative. C'est franchement bien foutu. Tu disais? Je disais, la herse rotative fait des belles particules de poussière. Il sert à quoi le truc derrière? C'est une herse rotative. C'est pour préparer aussi. Eh ben donc t'as deux trucs pour préparer. Voilà, c'est ça. Là c'est le combiné préparation quoi. Parce que en fait dans farming, ce que tu ne vois pas, c'est qu'en réalité un tas avant, tu l'utilises à l'avant de ton tracteur. Oui. Quand tu veux sur un labour, mais le tas avant il casse juste les grosses mottes, tu vois. Et la herse rotative derrière elle fait tout plat, tu vois. Oui, un roll motte et un. Voilà. Sauf que dans farming, naturellement, tu vois pas la différence entre un labour, tu vois pas la différence de ce que ton tas avant a fait en fait, tu vois. Donc ça c'est. Attends, je vais me remettre en place. Ça c'est un peu. C'est un peu dommage parce que ça aurait pu être. Ça aurait été super sympa quoi. Ah, on l'aura dans les versions prochaines. Ouais, peut-être. J'espère. Ça serait bien. Ouais, ça serait sympa parce que c'est vrai que là. En vrai, c'est vrai que là, il y en a qui vont me dire ouais, c'est vrai que ça sert à rien dans farming actuellement. Mais en vrai, je vous assure que si vous voulez préparer, vous êtes content d'avoir un tas avant qui nique la plupart de vos mottes. Et t'es content également d'avoir ton herse rotative à l'arrière. Hein. Ah, je vais faire une petite ellipse. Oui, donc les amis, donc désolé pour la petite ellipse qui fut un peu grande pour ces lions. Ouais, j'ai eu quelqu'un qui est venu à la maison, donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas là. On peut voir que le fen de sans rien foutre, il a bouffé, je crois, 30 litres de gasoil. Le bordel, tu sais, normal. Donc, toi, t'es en train de ramasser là, c'est ça? Ouais, j'ai quasiment fini en fait. Ok, ouais. Ah, tu sais quoi, je suis curieux d'aller voir ce qu'il y a en stock. Parce qu'à mon avis, t'as fait combien d'aller à peu près? En comptant avec les crashs ou sans les crashs? Avec tout. Avec tout, je dois être à mon sixième. Ouais, donc à mon avis, il y a nouveau de quoi faire en stock, quoi. Oh bah là, large. Ouais, parce que c'est ça l'avantage, tu vois, de cette auto. Merci l'auto-chargeuse classe. Hein. Ouais, donc moi du coup je vais terminer de faire ce champ là et puis après une fois qu'il est fini on a de la récolte de colza à faire. Puis bon, Bruno, il n'y a pas eu de signe de vie je crois, hein. Non. Ouais. Oula, mon tracteur il m'a pété un câble. Oh putain, tracteur il était tranquille, tu sais, en train de travailler à 10 km/h et tout d'un coup il est parti à 30. Pouf! Il y a le turbo qui s'est ouvert. Un coup de lag. Je sais même pas si c'était un coup de lag en fait. Parce que j'avais pas l'impression en fait. On va lever l'herse rotative, comme ça sera un peu mieux. Ah si, là j'ai eu un coup de lag. Oui, mais rien que quand tu ouvres une page, en fait, ça me fait ça. Allez, régulateur niveau 1, c'est parti. Voilà, continuons. Continuons. Ah, j'ai vu une fusée passer, là. Je vois pas de quoi tu parles. Tracteur avec ses liens, le pauvre. Putain, il doit ramasser, le pauvre tracteur. Ah bah, il tourne, hein, full régime. Ouais, plein gaz, pied au plancher, tout le temps. Ah ouais, hein, faut travailler vite. Vite et bien. Bah ouais. Vite et bien, ça c'est clair.
Ouais, enfin bref. Ah, Bon, mais bah. avec cette benne, c'est même trop bien. Ouais. Ah, mais en fait, c'est bien, mais le mieux, ça doit être quand même avec Follow Me, mais. Parce que tu sais, elle charge hyper vite. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai fait une fois fait le test avec des auto-chargeuses du jeu. J'avais mis 5 Follow Me derrière moi. Je t'explique Putain. pas l'affaire. Ça doit être pas mal. Ah ouais, Ah, c'est pas ah, mal. ah, la queue leu Tu peux le dire là, ouais. C'est clair. Ouais. Bah écoutez, je sais que quand j'ai fait l'ellipse, on était à peu près à 35 minutes, je crois. Donc, bah nous, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein. Donc, on se retrouvera bientôt pour la suite de nos aventures en compagnie de toute la team, hein, ça c'est sûr. Bah, moi, je vous dis à bientôt. Passez à tous une bonne journée. Et puis, je vous le dis déjà d'avance, passez une bonne fête de Pâques. Salut tout le monde! Ciao!